7 juin 2020 et vous êtes en direct du ministère de l'Intérieur et de la Protection civile pour ce point presse du gouvernement sur le coronavirus en Côte d'Ivoire. Je suis Bakary Sanogo, directeur du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Merci donc à tous les internautes qui nous suivent et aux journalistes ici présents. Merci de votre intérêt pour ce programme, de votre intérêt et notamment de votre participation à ce combat contre la maladie à coronavirus. Comme depuis des mois, nous ferons un point sécuritaire avec le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal Charlemagne Bleu. Pour le point de situation sanitaire, nous avons avec nous le docteur Edith Kouassi du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. On le sait désormais, la pandémie en Côte d'Ivoire n'existe plus que dans la seule zone d'Abidjan, même si la capitale économique demeure l'épicentre. L'intérieur du pays est également touché du fait de l'allègement de certaines mesures dans le cadre de la reprise de l'école, mais surtout de l'indiscipline et de l'irresponsabilité dont nous faisons preuve. La ville de Bouaké, la grande capitale du centre, est également touchée. Quelle est la réalité des choses sur le terrain à Koko, à Kennedy, à Odine-Kourani, à Djamourou, à l'Air France? Porte-t-on les masques? Les rassemblements sont-ils limités à 50 personnes? Quelle part le conseil municipal et les leaders communautaires prennent-ils dans la lutte? Pour nous en parler, nous avons avec nous Monsieur Nicolas Djibaud, le maire de Bouaké. Monsieur le maire, nous commençons ce programme avec vous. Monsieur le maire. Bonjour. C'est vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux donc de venir vous présenter la situation relative à la lutte contre le Covid-19 dans notre ville de Bouaké. Je commencerai par vous faire la situation à la date d'hier. À la date d'hier, 23 cas positifs ont été détectés dans la ville de Bouaké et nous avons 5 guérisons, ce qui fait que les cas actifs s'élèvent au nombre de 18. Tous les cas positifs ont été transférés à Abidjan car nous ne traitons pas sur place. Au niveau de la ville de Bouaké, les malades du Covid-19 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Comment attaquons-nous cette pandémie? Il faut dire que le préfet de région, dès le mois de mars, dès la détection donc, du premier cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire, a mis en place un comité local de lutte contre les épidémies. Et ce comité local est composé bien sûr de la préfecture, de toutes les directions régionales, dont bien sûr la direction régionale de la santé et des infrastructures qui sont en relation directe avec la santé. Et c'est pour cela qu'on retrouve dans ce comité, bien sûr, le CHU. Ce qui est important à signaler, c'est que dans ce comité, la mairie y figure. Et j'assume le poste de vice-président, alors que monsieur le préfet de région est le vice-président de ce comité. Ceci pour vous dire que la mairie ne lutte pas seule contre le Covid-19 dans la ville de Bouaké. Toutes nos actions ont été des décisions prises ensemble à l'intérieur de ce comité de lutte, ce comité local de lutte contre les épidémies. Bien sûr, Dans le cadre de ce comité de lutte, nous avons eu comme première action à relayer au niveau de la commune de Bouaké les décisions qui ont été prises par le Comité national de sécurité. Donc toutes les décisions du Comité national de sécurité ont été déclinées au niveau donc, de la ville de Bouaké et ont été déclinées jusqu'aux populations, jusqu'aux groupements qui étaient concernés. Donc quand je parle de groupements, ce sont les marchés, ce sont les bars, ce sont les lieux de commerce. En dehors du relais des décisions donc, du Conseil national de sécurité, nous nous sommes penchés sur les spécificités de la ville. Et nous avons eu à prendre certaines décisions, comme par exemple l'interdiction des grains. Nous avons interdit pendant la première période où les mesures de restriction, les mesures contre le Covid-19 étaient très restrictives. Nous avons pris par exemple la mesure d'interdire les grains, les réunions des grains, dans la mesure où, comme vous le savez, dans les grains, c'est le même verre qui sert à X personnes. Et en période de Covid-19, rien de plus dangereux que cela. Donc, nous avons aussi essayé de freiner l'entrée du Covid-19 dans la ville de Bouaké en mettant immédiatement en place aux différents corridors, aux 7 corridors, des mesures de contrôle en contrôlant tous les voyageurs qui rentraient dans la ville de Bouaké, en prenant la température des voyageurs, en leur demandant bien sûr de commencer par se laver les mains avant de pénétrer dans la ville de Bouaké. Ces mesures ont été difficiles à mettre en vigueur, dans la mesure où, dès le départ, la ville de Bouaké était très peu dotée de thermomètres infrarouges qui étaient nécessaires pour pouvoir mettre en place ce contrôle. Donc, quelles sont aujourd'hui les attentes de la ville de Bouaké? Pour pouvoir lutter de façon efficace contre cette maladie, la Covid-19, je pense qu'il nous faut un appui complémentaire des pouvoirs publics, des autorités. Beaucoup a été fait, mais je pense qu'on peut encore apporter un peu plus à la ville de Bouaké, notamment au niveau des masques. Nous attendons que nos autorités nous fassent parvenir des masques pour pouvoir généraliser la distribution de ces masques dans les endroits qui sont aujourd'hui des endroits de concentration, par exemple les marchés. Bien que nous ayons demandé à nos commerçants d'essayer de créer une certaine distanciation en travaillant par roulement, de manière à essayer d'éviter d'avoir une densification des commerçants sur les lieux de vente. Donc nous attendons des masques. Les populations s'y attendent les filets sociaux. Dès le début donc, de la crise du Covid-19, nous avons eu à inviter les populations vulnérables et à se faire inscrire de manière à densifier nos bases de données en personnes vulnérables pour pouvoir bénéficier des filets sociaux que nos autorités ont promis à ces personnes. Ces filets sociaux sont en attente. Nous espérons que très bientôt, quelque chose sera fait pour la ville de Bouaké. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Djibaud Nicolas, premier magistrat de la ville de Bouaké, qui nous faisait donc un point de situation sur ce qui a été mené comme activité dans le cadre donc de la lutte contre le coronavirus. Et maintenant, nous recevons ici le docteur Edith Kouassi du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour un point de situation sanitaire. Docteur Kouassi. Merci, M. Sanogo. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Communication et des Médias, Monsieur le maire de la commune de Bouaké, Monsieur le commissaire principal Charlemagne Bleu, Monsieur le directeur du CICG, Mesdames et Messieurs des cabinets ministériels ici présents, Mesdames et Messieurs de la délégation du maire de Bouaké, Mesdames et Messieurs de la presse. Le point de la maladie à COVID-19 du 17 juin 2020. La Côte d'Ivoire, selon le point sanitaire de la pandémie à coronavirus présenté hier 16 juin 2020 par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, donnait les résultats suivants. 240 nouveaux cas de COVID-19 sur 984 prélèvements analysés, soit 24,4% des cas, portant le nombre total de cas positifs à 5 679 et 38 637 le nombre total d'échantillons testés. 47 nouvelles guérisons de COVID-19 portant le nombre total de personnes guéries à 2 637, soit près de 50% des cas positifs enregistrés depuis lors. 0 décès de COVID-19 enregistrés. Le nombre total de décès de COVID-19 notifiés demeure 46. 2996, le nombre actualisé de malades encore dans la file active. 96% au moins des cas dépistés proviennent du Grand Abidjan, qui reste l'épicentre de la pandémie dans notre pays. Tous les districts sanitaires qui le composent sont affectés ou impactés, dont certains comprenant les communes de Yopougon, Abobo, Koumassi et Treichville, ont vu le nombre de leurs cas augmenter de manière inquiétante. L'intérieur du pays est toujours faiblement impacté, dont la région du Gbeké, qui comprend la commune de Bouaké. L'évolution de la pandémie a pris un virage dangereux depuis le début du mois de juin, avec 50,71% des cas diagnostiqués depuis le début de la pandémie, soit 2880 cas positifs de COVID-19. Durant cette période, le taux de positivité a également atteint son taux le plus élevé, à savoir 40,8% des cas, avec une moyenne située entre 16 et 41%. Le virus continue donc de circuler activement en Côte d'Ivoire, en particulier au niveau communautaire. Et les mesures sécuritaires et sanitaires sont insuffisamment respectées. Le nombre de malades encore dans la file active demeure important, à savoir plus de 50% du nombre total de cas positifs à ce jour. Toutefois, on note une augmentation constante des personnes guéries de COVID-19 notifiées, compris entre 50 et 53%, et une létalité autour de 1%. Par ailleurs, sur les 44 districts sanitaires affectés depuis le début de la pandémie, 23 sont encore actifs, dont les 10 districts, ceux des 10 districts d'Abidjan. Aussi, 65% des sujets dépistés COVID-19 positifs sont de sexe masculin, contre 35% de femmes. Et 78% des cas positifs de COVID-19 sont âgés de 21 à 60 ans. Environ 6% ont plus de 60 ans. Sinon, la majorité, comme je reprends, entre 21 et 60 ans. La maladie à coronavirus ou COVID-19 est extrêmement contagieuse et dangereuse, voire mortelle, et concerne tout le monde. Mais on peut l'éviter si... Et on doit l'éviter si on veut que le retour à la normalisation de la vie soit durable et harmonieux pour tous les domaines d'activité. La ville de Bouaké, dont nous accueillons ce jour le maire, est la deuxième grande ville de Côte d'Ivoire. Bouaké se trouve à 367 km d'Abidjan, capitale économique et épicentre de la pandémie en Côte d'Ivoire. C'est aussi le chef-lieu de région du Gbeké, qui comprend les départements de Bouaké, Beoumi, Boutro et Sakasso. Bouaké est à la fois un pôle économique, une ville scolaire par excellence et un grand carrefour où les échanges multiculturels, les trafics tant en interne qu'avec de nombreux pays de la sous-région sont réguliers. Situation à l'origine d'un brassage des peuples qui y vivent en harmonie. Par ailleurs, Bouaké compte 45 quartiers et 85 villages et 4 bidonvilles, Banco, Kaba-Usine, Bentou et Zoribougou. Pardon. Sans oublier le développement ces dernières années dans le transport des engins à 2 ou 3 roues, c'est-à-dire des vélos, motos et tricycles comme moyen de transport interurbain, où les mesures de port de masques ou de distanciation physique sont mises à rude épreuve. Ces spécificités font de Bouaké une zone à risque et méritent attention afin d'éviter d'y développer de gros foyers par une réappropriation des mesures sécuritaires et sanitaires préconisées par le gouvernement. Au plan de la réponse sanitaire, le département de Bouaké, qui compte 3 districts sanitaires, a 3 équipes d'intervention rapide, plus celui de l'INHP, qui sont fonctionnels, ça fait 4, et d'un laboratoire qui fait le diagnostic COVID-19 à Bouaké. Et bientôt, Bouaké bénéficiera aussi d'un centre intégré de prise en charge COVID-19 au CHU de Bouaké. À ce jour, ce sont 337 cas suspects qui ont été dépistés, dont 151 par le laboratoire du CHU de Bouaké depuis le 23 mai 2020. 182 sujets contacts y sont encore suivis, confirmant que la riposte est nationale et que les données communiquées prennent en compte aussi bien les activités des sites de dépistage du Grand Abidjan que celui des EIR, c'est-à-dire des équipes d'intervention rapide, des 113 districts sanitaires de Côte d'Ivoire, dont ceux de l'intérieur du pays. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akawélé, appelle à la vigilance et la prudence afin de débarrasser définitivement notre pays de cette pandémie. Adoptons résolument ces mesures sécuritaires et sanitaires, dont les mesures barrières à visée préventive, à savoir limiter tous nos déplacements non essentiels, pratiquer la distanciation sociale, surtout la distanciation physique, nous laver régulièrement les mains à l'eau au savon, utiliser les gels ou solutions hydroalcooliques, tousser ou éternuer dans du mouchoir en papier jetable ou à défaut dans le pli du coude, porter nos masques obligatoirement dans le Grand Abidjan et de manière recommandée à l'intérieur du pays, surtout dans les lieux publics. Rester confinés à domicile si nous sommes vulnérables ou âgés. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle la conduite à tenir devant les signes évocateurs de COVID-19 tels que une fièvre accompagnée de maux de tête, de courbatures, de toux, de difficultés respiratoires ou de soufflement, ou pour toute autre préoccupation comme une perte inexpliquée du goût ou de l'odorat. Il est recommandé de vous rendre muni d'un masque dans les sites de dépistage de proximité COVID-19 ou d'appeler les numéros utiles et gratuits suivants, le 143, le 125, le 119 et le 101 pour être orienté. Enfin, les établissements de santé publics ou privés sont à fréquenter à nouveau pour les autres défis ou besoins de santé à adresser. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Edith Kouassi, pour ces éléments d'information sur la situation sanitaire, notamment dans la commune de Bouaké. Et maintenant, nous accueillons le commissaire principal Charlemagne Bleu pour la situation sécuritaire. Monsieur le commissaire. Merci. D'accord. Merci, monsieur Sanogo Bakary. Monsieur le DIRCAB du ministre de la Communication et des Médias, chers frères, maire de Bouaké, merci de nous rejoindre à cette tribune. Messieurs, sinon mesdames et messieurs les membres des différents cabinets ministériels ici présents, chers membres de la délégation de monsieur le maire de Bouaké, distingués journalistes de la presse nationale et internationale. Point du mercredi 17 juin 2020, 26e jour du 3e mois de la lutte contre la COVID-19. Au 86e point sécuritaire et sanitaire national que nous tenons ce jour, nous abordons les questions liées au port obligatoire du masque en tout lieu public, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, ainsi que celle des opérations de sécurisation renforcées actuellement de nos frontières. Ainsi, la lutte contre la COVID-19 a fait connaître à tous les acteurs publics et privés diverses fortunes depuis sa mise en œuvre le 16 mars 2020, suite au premier Conseil national de sécurité. Au regard donc de la donne actuelle, marquée par la montée vertigineuse, inattendue, du taux de cas positifs, il est apparu nécessaire au Conseil national de sécurité, à sa 6e session tenue le 11 juin dernier, d'éviter, entre autres mesures, celle du port obligatoire du masque en tout lieu public. Cependant, nonobstant son caractère salutaire, cette mesure peine à être appliquée par certains de nos concitoyens, au motif allant de la gêne respiratoire, on étouffe, au manque de moyens de s'en procurer. À cet effet, il me paraît fondé d'indiquer à tous, au nom de messieurs les ministres de la Sécurité et de la Défense, que le non-port du masque, qui dénote en l'espèce de la renonciation volontaire à l'application d'une mesure administrative de haute portée sécuritaire et sanitaire, emporte de plein droit le délit de mise en danger de la vie d'autrui prévu et puni par le Code pénal ivoirien. Ce faisant, nos forces de défense et de sécurité, sous l'autorité opérationnelle éclairée du directeur général de la police nationale, du commandant supérieur de la gendarmerie ivoirienne et du chef d'état-major général des armées, veillent et veilleront sans faiblesse au respect intégré de toutes les mesures en vigueur, en l'occurrence celle du port obligatoire du masque. Aussi, les opérations de sécurisation et de surveillance à nos frontières ont donné dans la journée d'hier, sur le périmètre territorial de la préfecture de police de Korogo, ce qui suit. Sous le coup de 16h38, 52 ressortissants burkinabés, dont 16 femmes, qui se rendaient dans plusieurs villes ivoiriennes, ont été interpellés par le commissariat mixte de Ouangolo et reconduits dans leur pays de provenance par le poste frontière de Yendéré pour violation manifeste de la mesure de fermeture de nos frontières. Restons joignables pour toute fin sécuritaire au 20 25 0040, au 03 79 91 44, au 100 111 et au 170 180. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Je signale que nous sommes, comme vous l'avez constaté, depuis un moment avec monsieur Marc Hachi, notre interprète pour les malentendants, non, pour les sourds et malentendants. Voilà, nous passons maintenant à la phase de questions-réponses. Quelques premières réactions d'internautes ici. Montrez-nous, ça doit être une question au docteur Kouassi et peut-être à la RTI. Montrez-nous un jour les patients de COVID-19 de vos hôpitaux. Dans le journal télévisé de 20h, on va voir. Bon, une manière d'exprimer une certaine incrédulité. Le docteur Edith Kouassi saura donner réponse à cela. Le port du cache-nez, oui, peut-il nous priver d'oxygène? Donc voilà quelques remarques prises ici en attendant de prendre d'autres. Nous allons prendre des questions ici dans la salle. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le maire. Vous êtes le premier magistrat de l'une des plus grandes capitales de brassage de ce pays et le premier maire de l'intérieur du pays en dehors du Grand Abidjan à vous prêter cet exercice gouvernemental sur la COVID-19. Ma première question est de savoir l'état d'esprit de vos populations dès l'annonce des premiers cas dans votre cité. Ceux qui ont été en contact avec les malades ont-ils été mis en quarantaine? Les familles des malades sont-elles en contact avec leurs membres une fois transférés à Abidjan? Vous avez lancé un appel tout à l'heure des masques, dons aux masques. Si je comprends bien, l'opération de distribution des masques offerts par le gouvernement n'est pas encore arrivé à Bouaké. Monsieur le maire, depuis la levée de certaines mesures à l'intérieur du pays, comment vivent vos administrés, notamment dans les bars maquis? Bon, la dernière question pour vous. Votre localité a été le théâtre de l'arrestation de certains ressortissants d'un pays frontalier de la Côte d'Ivoire. Dès l'annonce de cette nouvelle, quel a été l'état d'esprit de vos populations, surtout que l'on ignore le statut des personnes mises aux arrêts? Là, j'ai juste une question pour le docteur Edith, qui sera aussi pour le commissaire Bleu. Docteur, que répondez-vous aux allégations de certains citoyens qui disent que l'augmentation du nombre de cas est un prétexte pour le gouvernement afin de recevoir de l'aide des partenaires au développement? Sur le plan sécuritaire, commissaire Bleu, de telles déclarations ne peuvent-elles pas mettre la vie et la sécurité des citoyens en danger face à cette crise sanitaire? Je suis Stéphane Bitty de l'agence de presse panafricaine. Merci. Merci beaucoup. Le prochain intervenant, en attendant le prochain intervenant, une question pour le docteur Kouassi. Peut-on juste faire un test de dépistage vu l'amélioration des capacités de diagnostic de notre pays? Oui, question. Je suis Maxime Kouadio, journaliste à l'Infodrome. Ma question s'adresse au docteur Edith Kouassi. J'aimerais savoir qu'est-ce qui explique la hausse du nombre de cas ces derniers temps. Certains parlent du temps pluvieux ou la fraîcheur, ça serait dû à la fraîcheur. Techniquement, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela, docteur? Merci. Bonjour, je suis Coné Bagary du CICG. Ma question s'adresse à monsieur le maire de Bouaké. Je voudrais savoir l'impact du Covid sur les projets socio-économiques de la ville de Bouaké, notamment le projet de marché qui devait démarrer. Ensuite, on a vu que les municipalités qui ont distribué des vivres et des non-vivres à leur population. Quel est le cas pour la commune de Bouaké? Merci. D'autres questions de journalistes ici dans la salle avant que nous ne passions la parole à nos intervenants? Ok, nous allons commencer par prendre les réponses aux questions, en commençant par monsieur le maire. Monsieur le maire, une série de questions vous a été posée, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais essayer d'apporter des réponses aux différentes questions qui ont été posées. La première question m'a été adressée par monsieur Stéphane Bitty, concerne l'état d'esprit en général des populations dans notre ville de Bouaké. Je dirais que l'état d'esprit est difficile. Est difficile parce que la perception de la maladie n'est pas celle qui devrait être. Je pense que vous avez constaté par vous-même que les populations à Abidjan, qui est l'épicentre donc de l'endémie, que les populations en général à Abidjan ont un certain détachement vers le Covid-19 et même certains ne croient pas à cette maladie. Inutile de vous dire que ce sentiment est ce qu'on a à Bouaké, et même encore en plus fort, dans la mesure où le Conseil national de sécurité dit que l'épicentre de la maladie est à Abidjan. Donc cela conforte encore plus les populations dans ce sentiment, de, je dirais, de non-Covid-19. Vous m'avez demandé comment sont traités les contacts des malades. Les contacts sont surveillés sur place. Tous les malades ont été envoyés à Abidjan. Et ils ont été traités ici à Abidjan. Tous les contacts sont suivis sur place à Bouaké et ont été mis en quarantaine dans leur famille, avec un suivi quotidien du respect donc, de cette quarantaine pour voir si les contacts suivaient bien les principes qui leur étaient dictés. Donc il y a des visites quotidiennes à plusieurs reprises auprès de ces contacts pour voir si la quarantaine est bien suivie. Vous avez aussi demandé comment sont traitées les familles des malades suivis à Abidjan. Est-ce que les familles sont en lien avec ces malades? Je ne saurais vous répondre. Je pense peut-être que Mme Kouassi pourra apporter une réponse, puisque ces malades ont été tous envoyés sur Abidjan et sont traités ici à Abidjan. Vous avez parlé, donc, depuis la levée des barrières, qu'est-ce qui se passe? Je dirais que c'est ma première réponse en plus grave, c'est que déjà que les populations ne prenaient pas vraiment en compte la Covid-19, il est évident qu'à partir du moment où les restrictions sont levées, c'est bonjour la liberté. Donc c'est un gros problème que nous avons pour pouvoir resensibiliser, parce qu'on avait sensibilisé quand la crise s'est déclarée et que le Conseil national de sécurité a pris les premières décisions. Nous avons bien sûr joué notre rôle en sensibilisant au maximum. Et aujourd'hui, il faut resensibiliser encore plus fort parce que la population prend un certain détachement vis-à-vis de la Covid-19. C'est vrai qu'il y a eu une trentaine de Burkinabés qui ont été arrêtés la semaine dernière donc, dans la ville de Bouaké. Sur ces 30 Burkinabés, 16 ont pu poursuivre leur route puisqu'ils venaient à Abidjan pour vendre des moutons. Donc ils ont pu poursuivre leur chemin parce qu'ils avaient des laissés-passer en bonne et due forme. Donc nous avons respecté le règlement. Étant en possession de laissés-passer, nous les avons laissés poursuivre la route. Les 14 autres ont été reconduits à la frontière. Ils ont été remis aux autorités consulaires burkinabées de Bouaké pour les reconduire donc, à la frontière. Voilà la situation donc, des Burkinabés qui ont été qui avaient été arrêtés la semaine dernière à Bouaké. Je ne me rappelle plus la question de M. Maxime Kouadio. Il y a eu la question de l'impact impact sur les projets sociaux, sur les activités, notamment la construction du nouveau marché? Bien, au niveau de la construction du nouveau marché, c'est évident que la Covid-19 a eu un impact. Le grand marché de Bouaké est un projet qui est réparti en deux lots. Et le premier lot a été octroyé à la société Colas et le deuxième lot va être octroyé ces jours-ci à une autre entreprise. Donc, il est évident que nous avons eu un retard, je dirais un retard de deux mois et demi, dans la mesure où le marché venant d'être octroyé, l'entreprise devait commencer par s'installer et implanter ses bases pour pouvoir commencer ses travaux. Cela aurait dû se faire au mois de mars dernier, et ce n'est que la semaine dernière que Colas a pu implanter sa base sur l'esplanade du marché. Donc on a pris 2 mois de retard. C'est pas trop grave, puisqu'on est qu'au début du projet. Ces 2 mois seront vite rattrapés. Au niveau donc des vivres et non-vivres, Bouaké a bénéficié de dons. Et je peux dire que ce sont des dons particuliers. Nous n'avons pas reçu de dons venant du gouvernement. Et, y compris les masques. Je vais venir au niveau des masques. Les dons que nous avons reçu des dons de personnalités politiques. En particulier le Premier ministre, et le ministre Amadou Koné, le ministre Sidi Touré. Mais c'était des gestes individuels, ce n'était pas des gestes au nom du gouvernement. Donc nous avons eu les premiers masques, les premiers dons en kit sanitaire et les premiers dons en vivres sont venus de personnalités. À la date d'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas encore apporté un appui sur ce plan. Au niveau des masques, la mairie de Bouaké n'a pas reçu de masques à la date d'aujourd'hui. Les masques, nous en avons bénéficié parce que des entreprises qui ont des intérêts à Bouaké, par exemple l'entreprise chinoise qui construit l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké et PFO, la fondation Pierre Fakouri, qui va s'occuper du problème de l'adduction d'eau du Bandama jusqu'à la ville de Bouaké, ont fait d'importants dons au niveau de la population. Mais bon, ils ont donné... Ces dons sont importants, mais insuffisants pour pouvoir vraiment sensibiliser et demander à la population de respecter le port du masque dans les endroits où il y a une densité humaine. Voilà. Donc je pense avoir répondu aux premières questions. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Et nous allons maintenant accueillir ici... le docteur Edith Kouassi. Mais docteur, juste deux petites questions à votre attention. Est-ce qu'on a des cas malades ou asymptomatiques toujours en traitement depuis plus d'un mois? En d'autres termes, c'est la réaction d'un internaute. En d'autres termes, quelle est la moyenne du temps de guérison et quel est le record en termes de traitement? Je reprends la question. Est-ce qu'on a des cas malades ou asymptomatiques toujours en traitement depuis plus d'un mois? En d'autres termes, quelle est la moyenne du temps de guérison et quel est le record de temps en termes de traitement? Autre question, docteur Edith Kouassi. Le port du masque peut-il nous priver d'oxygène? Docteur Kouassi. Merci, M. Sanogo. Je pense que la première question, c'était la question d'un internaute. Montrez nouveau malade. Ça me fait sourire. La situation est tellement grave que je pense que il faut qu'on se respecte un peu quand même. Il y a des gens qui ont perdu leur famille du fait de cette maladie. Je pense que c'est insulter ces personnes-là que de banaliser cet état de fait. Et il y a des personnes qui sont malades, effectivement. Donc la maladie, elle est réelle, elle est mondiale. Je pense qu'on peut croire, qu'on peut ne pas croire. Mais la réalité, elle est là, elle est implacable. C'est une pandémie. Et ceux qui meurent ne se réveillent pas, malheureusement. Et ça me permet de rebondir sur la deuxième question que je voulais adresser au commissaire, mais je vais quand même répondre. Est-ce que l'État tire profit de la maladie? Je pense que c'est quand même assez grave, ce genre d'affirmation. À votre avis, quel est le prix d'une vie? Est-ce que la vie a un prix? La vie est sacrée. À quel prix vous pensez qu'on peut acheter les Ivoiriens? Et si d'aventure même, imaginons l'improbable, qu'on puisse s'enrichir sur ça. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'est pas ambitieuse. Quand on a 5 000 cas, alors que certains ont 100 000, 10 000, je pense que c'est manquer d'ambition, non? Vous ne croyez pas? Non, franchement, je pense que c'est sérieux. Pas un jour, on a dit 21 ans et 60 ans. C'est des gens qui sont en pleine capacité, soit pour devenir des citoyens, d'assurer la relève de ce pays, ou des piliers de famille qui meurent ou qui sont confinés à cause de la maladie. Et la maladie se propage. Donc, il y a des commentaires où on les trouve. Ce n'est pas des animaux qu'on va ramasser quelque part, c'est des êtres humains qui sont malades. C'est des personnes. En tout cas, un peu de respect, je pense, hein, pour la personne humaine et pour les personnes qui sont malades, qui sont hospitalisées dans nos hôpitaux, et puis pour les personnes qui ont été endeuillées par la maladie. Je pense qu'il faut savoir raison garder. Si on n'a pas de commentaires à faire, on ne fait pas de commentaires. Le masque et l'oxygène. Je pense que les masques ont été élaborés en tenant compte des normes OMS pour ceux qui sont du domaine chirurgical. C'est pour ça que les chirurgiens peuvent faire des interventions de plus de 6 heures avec le masque, qui ont 30 ans de carrière. C'est vrai qu'il y a des inconforts quand on porte le masque, mais ce n'est pas matière à tuer les populations, c'est ce que je peux dire. Donc, ceux qui ne supportent pas, il y a d'autres types de mesures barrières, des visières, il y a tout, en fonction de la sensibilité des gens. Toujours est-il qu'il faut se protéger. Parce que si on ne se protège pas, on est exposé à la maladie. Et si on est exposé à la maladie, on contamine également nos proches. Ce n'est pas ce qui est souhaitable, je peux dire. Troisième élément, question qu'on a posée également, c'est de savoir si le renforcement des capacités qu'on a eu faisait que le dépistage était tout azimut. Pour le moment, ce n'est pas la stratégie. Le dépistage, il est ciblé. Ciblé vers les gens qui ont vraiment les signes évocateurs que nous avons cités tout à l'heure, ou les personnes qui ont été en contact effectivement avec des personnes qui ont été dépistées positives, ou certaines personnes fragiles. C'est-à-dire, vous avez un cardiopathe qui a quelques signes, on ne va pas attendre, on va rapidement, puisque c'est les personnes qui développent les formes les plus graves. Donc, pour le moment encore, hein, la stratégie peut changer, mais à l'heure actuelle, c'est un ciblage des personnes qui sont, qui ont les signes évocateurs de Covid et les sujets contacts qui sont prioritaires dans les dépistages. Ensuite, quelqu'un demandait, effectivement, encore heureusement, en Afrique, je pense, on n'a pas la forme sévère. Au moins 80 à 90% des sujets malades présentent des formes pas compliquées. Donc 5% ont des formes compliquées et puis environ 1% ont besoin d'assistance. Donc c'est pour ça que nous encourageons les personnes qui ont des signes évocateurs de fréquenter les sites de dépistage ou de consulter pour que la prise en charge soit précoce parce qu'on en guérit. C'est vrai qu'il y a des cas de décès, mais on en guérit dans la plupart du temps les cas. Et donc, une forme asymptomatique, on a dit que c'était en moyenne 10 à 12 jours, jusqu'à 14 jours, mais un mois, je ne pense pas que quelqu'un soit traîné une maladie pendant un mois, sauf s'il y a des complications. Donc, les cas compliqués, on ne peut pas prétendre, je veux dire, la durée est fonction, au minimum 3 semaines, mais ça peut avoir plus en fonction du terrain de la personne. Je pense que j'ai répondu, sauf si ma miroir, en tout cas, on joue des tours. Mais le plus important que je voulais, avant de m'asseoir, rappeler aux Ivoiriens, c'est que ce n'est pas tellement le nombre de cas qui doit leur préoccuper, mais c'est le taux de positivité. C'est ça qui montre que le virus, il est actif ou il n'est pas actif. Parce que si j'ai 500 positifs sur 1000 échantillons, ça fait 50%. Mais si j'ai 400 sur 600, j'ai 66% de positivité. On voit que dans les deux cas, il y a un dont le nombre est plus élevé, mais l'impact est différent de l'autre qui apparemment 400 est inférieur à 500. Mais étant donné que c'est 400 sur 600, on a 66%, c'est-à-dire que quand on prend au moins, pour simplifier, quand j'ai 100 personnes, il y a au moins 60 qui sont positifs. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. C'est différent de quand j'ai 100 personnes et que j'ai 2 qui sont positives ou que j'ai 10. Donc voilà un peu ce que je voudrais que les Ivoiriens retiennent. Que le taux qu'on a actuellement, que nous avoisinons les 41% là, c'est grave. Dans la plaisanterie, je pense qu'on peut quand même être un peu sérieux. Le fait que le virus circule activement, ça veut dire que le nombre de probables de contaminés aussi augmente. Les capacités de dépistage ont augmenté, mais je dis qu'il y a une meilleure connaissance de la maladie. C'est-à-dire que maintenant, la confusion avec les simples grippes saisonnières, les petits rhumes, sont moindres. De sorte que quand on va au dépistage, la probabilité d'avoir des cas positifs, il est élevée. Maintenant, la pluie, directement, il n'y a pas de lien. Les facteurs aggravants de la maladie, c'est les antécédents pathologiques qui existent. C'est le tabac, c'est le diabète, c'est le cancer. Sur ces terrains-là, la maladie évolue plus rapidement. Néanmoins, de manière indirecte, la pluie, c'est parce que la pluie, pendant la pluie, il y a des rhumes qui viennent, il y a le froid. Et si dans ce contexte-là, on n'est pas protégé, on revient toujours aux mesures barrières et sécuritaires, on n'est pas protégé qu'on sort, qu'on se chope. Le Covid sur ce terrain de grippe saisonnière ou de maladies, c'est-à-dire de drépanocytose, toutes les petites maladies qui sortent quand la pluie vient, on a déjà sur un terrain un peu fragilisé. Sinon, il n'y a pas de lien direct, en tout cas à l'heure actuelle de la connaissance, de l'effet de la pluie sur la maladie. Merci beaucoup, Dr Edith Kouassi. Plaisanterie, mal placée, irresponsabilité, indiscipline. En tout cas, vous l'avez dit, le plus important, c'est d'appliquer les mesures barrières, le seul médicament contre le coronavirus. Mon commissaire, vous êtes, comme toujours, interpellé. Il y a des questions pour vous. Merci de bien vouloir y répondre. Merci, M. Sanogo. Je pense qu'elle a parlé en répondant, donc en rebondissant sur la question de la rumeur en mère de famille. Voilà. Nous, on va le traiter, voilà, beaucoup plus autrement. Parce que, premièrement, cette tribune, je le pense, et c'est vrai, a été créée par l'État de Côte d'Ivoire, premièrement, pour adresser des questions sérieuses liées à la lutte donc, contre la COVID-19, questions ayant trait à l'information nécessaire des populations. Ensuite, et subsidiairement, faire en sorte que ce qu'on appelle fake news intox puisse se débander définitivement, parce que à l'opposé, vous avez l'information vraie. Elle est institutionnelle, elle est vérifiable, elle est tangible, donc palpable. Mais quand au-delà de tous ces efforts gouvernementaux, des gens se plaisent à dire encore ou à faire croire à une certaine proportion d'Ivoiriens ou populations vivant en Côte d'Ivoire qu'il s'agit d'une plaisanterie qui est montée de toutes pièces pour se faire de l'argent. Il s'agit ici, nous sommes en face ici, de ce qu'on appellerait chez nous de la sédition, qui est donc attentatoire à la sûreté de l'État. Je voudrais mettre tous les compatriotes qui nous suivent et ceux qui sont dans cette salle à contribution, à l'effet de nous permettre de mettre la main sur ces sources vraies de ces informations, les acteurs de la délation de notre pays, afin que le nécessaire soit fait pour non seulement les interpeller, mais les faire payer devant nos juridictions des actes nocifs qui n'ont de cesse de poser. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Nous sommes à la fin de ce programme. Un remerciement particulièrement appuyé à Monsieur Nicolas Djibaud, le maire de la commune de Bouaké, pour être venu ici nous faire le point de la situation, l'état de la situation de combat contre le coronavirus. À tous les internautes, aux médias ici présents, merci de votre présence, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.